Je vous propose de commencer. La dernière fois, parce qu'on s'améliore de visio en visio, on a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas se connecter et qui nous ont demandé de savoir si on leur a fait un compte-rendu, mais ça ne suffisait pas. Donc là, ne soyez pas étonnés, on enregistre la visioconférence. On pourra du coup la repasser pour ceux qui sont pas là. Merci beaucoup, en tout cas, d'être présent. Merci à toutes et à tous. Bienvenue. Vous avez avec moi Basile Dunant, qui est entre autres en charge de ce Conseil citoyen, qui est connecté. Et puis, vous verrez aussi Rose, qui est notre stagiaire pendant quelques mois. Donc, ce Conseil citoyen, pour vous dire à peu près où on en est, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. On a lancé en février une réunion d'installation en février où on a pu définir les thèmes que vous voudrez du coup voir, et puis on a arbitré pour que à la fois ça soit les demandes du Conseil citoyen sur l'ensemble des thèmes, et puis que ça colle aussi à l'actualité législative. C'est pour ça que le premier dossier, qui a été un dossier assez rapide, c'était le dossier nucléaire, où il y a eu un débat contradictoire avec deux experts, vote en ligne du 13 au 17 mars. Et puis le deuxième dossier qu'on lance, c'est le dossier sur le logement. Donc ça a commencé le 6 mars et ça se termine pour la partie rendue ce soir. Vous verrez, vous avez été nombreux à participer. Et puis je vous parlerai en fin de visio de l'ensemble des dossiers et d'actualités législatives qui vont être lancés. Entre autres, la fin de vie. Je sais que ça intéresse beaucoup et j'ai vu qu'il y avait le docteur Lemoine qui était connecté. On en avait commencé à en parler ensemble. Donc, sur le dossier logement, pour faire un petit zoom sur la partie dossier logement. Donc, voilà comment ça s'est composé. Donc, du 8 au 5 mars, on avait une phase de dépôt de l'ensemble des informations. Quasiment tout le mois d'avril, c'était une phase d'analyse où les gens ont pu. Donc, nous, on a retenu tout ce qui s'était dit. On a fait une phase de synthèse et vous avez pu voter. Et le 3 mai, automatiquement, la plateforme a montré l'ensemble des votes. Donc, nous, on a condensé tout ça. On va vous le montrer ce soir et puis on va vous parler des actions que ça peut emmener. Donc, sur la partie logement, moi, je suis relativement très content parce qu'il y a 136 votes, il y a eu 62 participations. Alors, certaines se regroupent, hein, c'est pour ça que vous verrez, sur les 62 participations, ça donne 30 propositions. Il y a plusieurs propositions, et on l'a noté sur la plateforme, qu'on a rejetées de suite parce que ce n'était pas du législatif ou ça ne correspondait pas. Du coup, à des choses qu'on pouvait faire, où il y a des choses qui existent déjà. Et on a retenu, du coup, un certain nombre de propositions et on va vous parler du bilan de ces 30 propositions. Sur ces 30 propositions, vous en aviez 9, et c'est le plus important, qui visaient à limiter la construction de résidences secondaires ou à imposer, comme ça se fait déjà dans d'autres pays, des quotas, en logements sociaux pour la promotion immobilière. Donc, à chaque fois qu'on a une promotion immobilière, l'idée, c'est d'avoir un quota en logements sociaux locatifs. Comme ça, on est sûr que c'est de la résidence principale. Et les autres propositions visaient, du coup, à limiter la construction des résidences secondaires. On en a 4 qui visaient à développer le logement social de manière générale. Elles étaient vraiment axées sur le logement social. Et 4 qui visent à affiner la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Je dis à affiner parce que on a voté à l'Assemblée nationale la possibilité de mettre une surtaxe pour les résidences secondaires. Donc, la taxe d'habitation, elle a été supprimée pour tout le monde maintenant. Plus personne ne paye la taxe d'habitation, excepté lorsque vous êtes en résidence secondaire. Et quelques propositions, donc ça sera possible à partir de 2024. Et c'est bien les élus locaux et le maire qui décideront ou pas de mettre en place cette résidence, cette taxe, cette surtaxe sur la résidence secondaire.
Pour vous donner une idée, sur la circonscription, il y a 32 communes. Il y a plus de 30 communes qui pourront mettre en place cette taxe sur les résidences secondaires. Certains disaient, ne mettons pas la taxe, par exemple, lorsque le logement est utilisé et mis beaucoup à la location, mais techniquement, en fait, on ne peut pas faire une différenciation entre quelqu'un qui loue beaucoup, quelqu'un qui ne loue pas. En fait, les informations sont des informations que certains peuvent avoir, par exemple, en utilisant les compteurs connectés là. On pourrait avoir ces informations-là, mais en fait, il y a une étanchéité aujourd'hui dans les informations et les fichiers, et on n'a pas la possibilité aujourd'hui de pouvoir utiliser ces fichiers. Et heureusement, parce que là, on toucherait à la liberté individuelle. Et puis les autres propositions, toutes les autres, c'était beaucoup sur l'habitat partagé. Très, très, très intéressant, disant il faut faire du logement, mais il faut faire du logement où on puisse partager des pièces. Par exemple, on a des logements aujourd'hui qui sont en train de se faire avec une ou deux pièces qui pourraient être, par exemple, des chambres d'amis, mais qui sont partagées à plusieurs. On voit aussi pourquoi avoir dans certaines maisons quatre machines à laver, quatre sèches-linges. On pourrait mettre en place des solutions partagées. Voilà. La rénovation énergétique est beaucoup revenue, et on va en parler. Et puis aussi, pas mal de choses sur la limitation de la location à la semaine. Vous avez beaucoup de gens qui sont tournés sur de la location à la semaine parce que vous ne prenez pas de risque de louer parce que vous louez à la semaine, vous êtes forcément payé. Et puis, souvent, malheureusement, c'est plus intéressant fiscalement. Et puis, vous louez plus facilement. Donc, ça nous a permis de co-construire ensemble six propositions. Et là, on rentre dans le super concret. La première, c'était vraiment de limiter le développement du logement à titre non permanent via l'obtention des permis de construire. L'idée, c'est utiliser les PLU, les plans locaux d'urbanisme, ou PLUI, quand la compétence est plus communale, mais elle est à l'interco. On parle à ce moment-là de plan local d'urbanisme intercommunal. Et l'objet, c'est de dire, il faut que ces PLU dans les zones A et les zones AU, donc les zones U et AU, donc U, c'est qui sont urbanisables maintenant, et les AU qui sont à urbaniser dans le futur, on puisse mettre des zones où on n'aura que du logement permanent. Ça, c'est ce qui est le plus ressorti avec 28 voix. Et juste derrière, à 26 voix, vous avez une obligation pour les promoteurs immobiliers d'un quota de logements à prix modéré pour chaque opération. C'est déjà possible. Il y a des mairies comme par exemple Chamonix qui sont assez en avance sur le sujet et qui, sur chaque promotion immobilière, même de petite taille, on va imposer un quota pour que ça soit du logement du locatif à l'année. La troisième proposition qu'on pourra retenir, c'est aider davantage les propriétaires de passoires thermiques. Ça, c'est 26 voix. En fait, 50% des logements en montagne, qui sont des logements des années à peu près 70, sont des passoires thermiques. Et dans ce qu'on appelle le DPE, c'est classé de A à G. Eh bien, 50% sont dans du F ou G. Donc, vous voyez l'effort qui va être nécessaire de faire pour pouvoir rénover et isoler l'ensemble de ces logements passoires thermiques. Donc, ça, c'était les trois premières propositions. Et sur les trois suivantes, la quatrième, c'est favoriser, encourager des projets de construction d'habitat collectif partagé. Donc, ça revient à nos propositions. Où on fait des logements un peu différents, en collectif avec du partage. Le point numéro 5, c'est aider à l'installation. Alors, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone, je le fais. Voilà. Aider à l'installation de locaux à l'année, contrainte à l'achat ou la location, développement de location et d'accession sociale aidée.
Et puis la dernière, c'est très très intéressant, c'est possible aujourd'hui, mais il faut qu'on le développe parce que ce n'est pas assez connu, c'est le découplage entre le foncier et l'immobilier. C'est ce qu'on appelle le bail social, solidaire, le bail réel solidaire, le BRS. C'est la possibilité de dire que lorsqu'on achète, on n'achète que la partie à construire, mais que le sol ne nous appartient pas. Il appartient à une entité qui va nous louer pour en gros 99 ans. L'intérêt, en dissociant le foncier de la construction, c'est que vous êtes toujours propriétaire de la construction. Ça vous coûte beaucoup moins cher parce que vous louez le foncier, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Et on a des simulations où ça permet à des gens qui ne pouvaient pas acheter actuellement, qui pourront acheter parce qu'ils n'achètent que la partie constructible, et ils pourront revendre dans les mêmes conditions. Et on a avec ce découplage du foncier de l'immobilier, donc du logement lui-même et du foncier, on a la certitude que ça soit des logements qui soient à résidence principale. Voilà un peu rapidement ces six co-constructions qu'on a réussi à faire. On va vous dire maintenant comment on va pouvoir les mettre en œuvre. Et puis peut-être si Basile, sur un ou deux éléments, parce que c'est toi qui as fait la synthèse, tu veux revenir sur une de ces six propositions, à ce moment-là, n'hésite pas, pareil. Et une des solutions qui va arriver, on laisse un temps de questions-réponses après, hein, c'est pour ça que je suis un peu rapide. Une des propositions qui va arriver, c'est une PPL, c'est une proposition de loi du groupe majoritaire, alors qui ne va pas résoudre ces six points-là, mais qui va vraiment s'attacher à nos zones tendues touristiques et à limiter le meublé à l'année. Cette proposition, elle est très courte, elle n'est pas là pour résoudre la totalité du logement. Et on espère vraiment qu'il y aurait une proposition de loi à l'automne qui reprenne du coup la totalité de ces éléments-là, et même au-delà, parce que là, on a regardé la partie touristique qui nous intéresse, mais la problématique du logement, elle est différente à Lyon, à Grenoble, à Marseille. Et on attend une proposition de loi beaucoup plus large pour régler l'ensemble de ces problèmes. Donc, cette proposition de loi, cette PPL que vous avez à l'écran, elle a été proposée par le groupe majoritaire, donc Renaissance, Horizon et du coup le MoDem. Et elle a seulement trois articles, donc elle est très très courte. Le premier article, c'est l'interdiction de louer des passoires thermiques. Aujourd'hui, cette interdiction, elle va arriver en 2027 et après en 2028. Et après en 2030, non, alors en 2025 et en 2027 pour les F et les G, et puis après en 2034 pour les catégories E, pour si vous louez à l'année, donc si vous louez du non meublé. Par contre, aujourd'hui, si vous louez à la semaine, vous pouvez continuer à louer des passoires thermiques. Donc ça paraissait une aberration, et le risque que des gens qui ne pourraient pas louer, qui ne pourraient pas louer du non meublé, donc à l'année, eh ben, transforment leur appartement et le louent à la semaine. Donc pour éviter ce phénomène, ça sera l'interdiction de louer les passoires thermiques aussi si vous louez à la semaine, comme si vous louez à l'année, mais en mettant une dérogation au maire, où le maire pourra dire, ma commune n'est pas prête pour l'instant à interdire la location de ces passoires thermiques. Donc, je prends une dérogation pour permettre de continuer quand même à pouvoir louer et faire du cas par cas. Et on fait confiance aux élus locaux et aux maires pour effectivement interdire ou pas interdire la location des passoires thermiques. Voilà. Je vais revenir après sur les modifications que je voudrais apporter suite à l'ensemble des réponses du Conseil citoyen. L'article 2, c'est permettre à toutes les petites communes d'avoir des outils complémentaires pour réguler les locations à la semaine. Aujourd'hui, si vous êtes une commune de plus de 200 000 habitants, vous avez un certain nombre d'outils où vous pouvez dire, je vais mettre des quotas sur la location à la semaine.
Alors, on dit Airbnb, mais c'est aussi Abritel, c'est toutes les plateformes. Tous les gens qui louent à la semaine, on peut réglementer où les gens sont obligés de s'inscrire sur une plateforme et la mairie peut autoriser ou pas autoriser pendant une année, deux années, trois années à louer du coup ce bien immobilier à la semaine. C'est ce qu'a fait Annecy très récemment. Annecy pouvait le faire parce que c'est une grosse commune et aujourd'hui, on va autoriser toutes les communes, si elles le souhaitent, à mettre en place du coup cette régulation de la location la semaine. Et puis, ce qui nous intéresse le plus dans cet article 2, c'est mettre des servitudes, ça veut dire des zones qui soient réservées que à la location à l'année et à la location à l'année et plus la location à la semaine. L'article 3, c'est un article qui fait un peu polémique et vous allez voir pourquoi. Aujourd'hui, quand vous louez à la semaine et que vous êtes un meublé classé, vous avez la possibilité de déduire 71% de vos revenus. Si vous louez à l'année, classiquement, vous avez un abattement fiscal, pareil, mais qui est que de l'ordre de 50%. Donc, on a quasiment 20% de plus et un intérêt à louer à la semaine plutôt qu'à l'année. Beaucoup de parlementaires se sont dit c'est une injustice de favoriser le logement à la semaine quand nous, on n'arrive pas à louer, à loger nos personnes à l'année. Donc, c'est revenir sur cet abattement de 20% complémentaire lorsque vous louez à la semaine plutôt que louer à l'année. Sur ces trois articles qui sont intéressants, qui vont permettre d'avancer sur le sujet, en vous écoutant, on voudrait faire par amendement trois modifications. La première sur l'article 1. Nous, on est favorable que les maires puissent décider de mettre en place une dérogation pour dire « j'autorise quand même à louer des passoires thermiques ». Mais si on ne met pas de délai, j'ai peur que les maires, qui n'ont pas une grosse sensibilité à l'environnement, laissent une durée qui soit trop importante et qu'on n'ait jamais la rénovation de ces résidences qui aujourd'hui sont des passoires thermiques. Donc, on voudrait, oui, une dérogation, mais imposer quand même un délai de 2 ans maximum par rapport à ce qui était prévu. Donc, ça ramènerait de mémoire, mais là, il faut que Basile me dise si c'est bon ou pas. Au lieu de 2027, ça serait 2029. Et puis, au lieu de 2028 pour léger, ça serait 2030. Voilà. Donc, ça serait donner deux années complémentaires. J'ai vu qu'il y en a qui réagissent. On va pouvoir leur donner la parole juste après. L'article 2, on y est vraiment très favorable. C'est en fait vraiment pouvoir donner des outils complémentaires qui permettront de réguler, puis les maires le prendront ou le prendront pas. Et on espère que sur la prochaine proposition de loi à l'automne, dédiée au logement permanent, on puisse vraiment encore aller plus loin et qu'on donne encore vraiment des outils complémentaires pour permettre de réguler. Aujourd'hui, c'est vraiment une activité touristique importante, la location de meublés. Donc, on ne veut pas forcément l'empêcher. Mais quand vous avez un meublé de tourisme que vous louez, eh ben, c'est intéressant que vous puissiez continuer à le louer parce que c'est de l'activité économique. Mais des gens qui achètent un immeuble complet, qui le transforment et qui le louent sur les plateformes, je pense qu'on pourrait différencier le premier logement que vous louez et qui est votre résidence secondaire, du deuxième, troisième, quatrième ou cinquième logement que vous avez. Et enfin, l'article 3, on s'aperçoit qu'il ne fait pas du tout l'unanimité parce qu'il y a des gens qui sont attachés à cet abattement. Et moi, je pense qu'on pourrait trouver un équilibre. Ça veut dire qu'on pourrait garder l'abattement pour le premier logement, mais dès le deuxième, troisième, quatrième, on perd cet avantage fiscal. Et on peut aussi réfléchir à dire que ceux qui ont un appartement qui est déjà en A, B, C, D ou E, eux puissent continuer à louer. Et par contre, on aide les F et les G à rénover leur logement. Et tant qu'ils n'ont pas rénové, on enlève du coup la partie abattement. Voilà en gros ce que je voulais vous dire ce soir sur l'avancée de ce projet-là. Avant qu'on donne la parole en question-réponse, est-ce que peut-être
Basile, il y a des précisions ou des choses que tu voudrais apporter parce que tu as suivi de près, le Conseil citoyen sur la partie logement. Alors, juste simplement, du coup, sur les F et G, donc le G, c'est 2025, si jamais ça colle à l'interdiction à l'année. Et avec dérogation, ça passerait à 2027, sachant que ça peut être moins aussi, hein. Le maire peut faire une dérogation juste pour une année, imaginons. Et pour les F, ça passerait 2028 à 2030. Voilà, sinon, moi, ça, c'est très bien. On vous mettra ces éléments, mais je crois qu'on les avait mis déjà sur la plateforme, sur le Conseil citoyen, les obligations pour l'interdiction de louer les passoires thermiques. Juste une précision. Si donc il y a une. Pourquoi est-ce qu'il y a une dérogation pour les maires? Parce qu'il faut se rendre compte quand même. Il y a un exemple qui est très parlant. Par exemple, c'est Avoria. Avoria, il y a 44 000 lits touristiques et 70% de passoires thermiques, donc en F ou en G. Et on sait très bien que mathématiquement, c'est impossible de pouvoir rénover 44 000 loge... enfin, 70% de 44 000 logements. Avant 2025 ou 2028. La demande va être beaucoup trop forte par rapport à l'offre au niveau des artisans, etc. Donc c'est pour ça que, il y a eu un travail de fait des élus locaux qui disaient, attention, on risque de se retrouver avec des logements qui vont être vides, qui ne pourront pas être loués ni à la semaine ni à l'année en fait. Voilà. Effectivement, on voit déjà la tension sur nos territoires de montagne et surtout en zone touristique. Quand vous cherchez un artisan, plombier, électricien, c'est pas toujours très très facile et il faut pas qu'on augmente la pression parce que si on augmente la pression, on est déjà sur des coûts élevés. Il faudrait pas que du coup on aille encore un peu plus sur une pression et sur une augmentation des prix. Des artisans qui soient pas raisonnables. Je vous propose, si vous voulez, revenir un peu sur ces éléments-là ou répondre un peu à vos questions. J'ai vu en message que, et c'était Christian Rousseau qui me soufflait à l'oreille et qui me disait, ben, plutôt que d'enlever les 20% supplémentaires d'abattement pour les locations à la semaine, pourquoi on ne les rajouterait pas aux gens qui louent à l'année? Ça serait une bonne idée. Après, je suis pas sûr que Bercy soit d'accord, mais en tout cas, effectivement, ça serait. Moi, je préfère toujours la carotte au bâton, même si des fois, il faut les deux. Est-ce qu'il y en a qui veulent peut-être prendre la parole? Alors, on a. Je lis en même temps. Hein, Il y avait Nora Berriou qui avait une proposition, si jamais elle peut prendre la parole pour la dire à voix haute. Merci, pardon, de taper un autre petit message en même temps. Bonsoir à toutes et tous, merci de me donner la parole et merci pour ce conseil citoyen. Donc, oui, je rebondissais par rapport au calendrier. Donc, c'est sûr que c'est essentiel qu'au moins les meublés touristiques soient soumis à cette même réglementation pour la location en fonction des lettres. Qui doivent être rénovés, sinon ils ne peuvent plus être loués. Et même, donc, j'avais fait une proposition qui allait dans le sens de même anticiper, de jouer justement sur cette mesure pour que le calendrier soit plus court pour les meublés que pour les locations à l'année. Alors, si c'est difficile de faire deux calendriers ce que j'entends complètement. Est-ce que du coup l'histoire de la dérogation possible par les maires, est-ce que cette dérogation elle pourrait porter que sur de l'habitat permanent et que par contre la dérogation ne soit pas possible pour des meublés, donc interdire la location des meublés qui sont pas qu'ont pas qui qu'ont pas atteint un niveau énergétique suffisant au fil des ans. Voilà, c'était ma proposition. En fait, Et oui. Alors, juste pour répondre à ça, puis je vous laisse continuer. En fait, super. vous avez vraiment raison. En fait, on n'y avait pas pensé. En fait, on voulait se laisser ces 2 ans complémentaires parce qu'on fait preuve de bon sens et on sait très bien que dans tous les cas, on n'arrivera pas à rénover. Et ça ne sert à rien d'interdire quelque chose qu'on ne peut pas techniquement réaliser, financièrement et dans le délai. Et on voulait vraiment coller
à la résidence, aux gens qui louaient, qui louaient l'année. Donc, effectivement, on pourrait peut-être inverser les choses. Ça veut dire qu'on pourrait laisser plus de temps à ceux qui sont aujourd'hui à l'année, qui louent à l'année, et puis rester dans le calendrier pour ceux, ou en tout cas différencier les deux. Je pense que par amendement, ça pourrait être possible. Je pense qu'on proposera des amendements dans ce sens-là, dans le cadre du projet de loi, effectivement. Alors, continuez, puis après, il y a Jacques Lemoine qui a levé la main. Vous aviez une deuxième question, Nora. Oui, mais je crois qu'il y a votre Basile, pardon, qui voulait rebondir aussi, non? Oui, je voulais juste rebondir là-dessus. Le problème, en fait, idéalement, moi, je pense qu'il aurait fallu procéder par zonage encore plus précis que par commune. Parce que, par exemple, quand on pense au G, pas au G, pardon, quand on pense, je vais prendre l'exemple d'Avoria. Avoria, il y a 44 000 lits touristiques, il y a 150 habitants à l'année. Donc, on ne peut pas non plus geler les lits touristiques, étant donné que c'est quand même l'économie principale de toute une station. Donc, c'est vrai que l'idéal, ça aurait été de pouvoir faire des dérogations en fonction d'un zonage très spécifique. Mais bon, je pense que ce n'est pas possible. Jacques, et puis Nora, pardon, du coup, revenez après, on laisse parler Jacques, mais je ne vous ai pas oublié. Bonsoir à tous. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir à tous. Si, on t'entend. Oui. Bon, très bien. Moi, je suis propriétaire d'un appartement que je loue à l'année. Et donc, j'ai vu passer cette date limite. Alors, moi, je vais vous donner la position du propriétaire. Hein. C'est-à-dire que combien ça va me coûter et combien la location à l'année me rapporte. Donc, je ne vais pas rentrer dans mes petits calculs personnels, ça n'a pas d'intérêt. Mais moi, je pense que la meilleure mesure incitative, c'est de faire un abattement dépendant des travaux que vous faites. Vous comprenez? Parce que combien vous rapporte un bien? C'est ça la question. Moi, j'ai un bien. Les travaux que je dois faire sur cet appartement vont manger, par exemple, tout ce que je gagne depuis 5 ans ou 10 ans, je vais vendre cet appartement, ou je vais le vendre, ou je vais le louer par petits bouts, si c'est plus intéressant d'avoir un abattement. Voilà, c'est la position de celui qui a des revenus en louant. Parce que je ne sais pas combien peut gagner à l'année quelqu'un qui loue à Avoriaz. Je ne sais pas, parce que combien de temps il loue? Certainement, les saisons sont assez courtes. Donc, forcément, il y a un rapport entre la valeur du bien et ce que lui rapporte ce bien. Voilà. Donc, je pense que régler l'abattement en fonction des travaux faits, ça me semble être une mesure incitative pour le propriétaire. Voilà. Et donc, Passons le nerf de la guerre, et puis j'aurais passé la parole après à Nora et puis à Alban. Le nerf de la guerre, c'est que si on ne met pas des obligations, on ne rénovera jamais. Et si on veut supprimer nos passoires thermiques, il faut qu'on ait des dates. Et moi, ce qui me fait mal au cœur depuis 2017, c'est qu'on laisse des délais. Mais heureusement, hein, moi, je comprends les difficultés, mais dans toutes les lois, et dans celle-ci aussi, même si celle-ci, je pense que le délai est un peu court, on laisse des délais, mais qui sont terribles et qui sont souvent trop longs, parce qu'on tient compte de tout le monde. Et il faut. Et puis, mais par contre, ce qui est sûr, quand tu loues à l'année ton bien et que tu fais de la rénovation thermique, ça te fait du déficit foncier. Alors, c'est sûr, ça ne fait pas gagner d'argent, mais la fiscalité aujourd'hui, elle permet quand même de rénover et de faire du déficit foncier parce que tu as rénové sur ton appartement à l'année. Je redonne la parole à Nora et puis après Alban. Merci beaucoup. Et je rejoins complètement sur ce que vous venez de dire, sur qu'à un moment donné, il faut poser des dates, quoi. C'est juste plus possible, ces passoires thermiques. Et par contre, par rapport à cette question de la difficulté de trouver des artisans, c'est
Alors, c'est sûr, c'est la difficulté de trouver des artisans. C'est d'autant plus difficile de trouver des artisans qui sont reconnus garants de l'environnement, qui ont ce label RGE nécessaire pour bénéficier des programmes France Rénov. Et là, je vois par exemple, c'est mon cas, je suis propriétaire dans la vallée du Gifre et j'ai commencé les démarches pour isoler mon bien. Et voilà, et sur la vingtaine d'artisans que je connais dans la vallée, de menuisiers, non, peut-être pas vingtaine, mais la quinzaine de menuisiers que je connais dans la vallée, il n'y en a que 4 ou 5 qui ont ce label RGE, qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas dispo pour certains avant l'année prochaine. Et quand j'en ai discuté avec les autres qui n'ont pas le label, ils m'ont expliqué que c'était très difficile d'obtenir ce label et qu'en fait, ils avaient pas le secrétariat, souvent c'est encore des modèles très patriarcaux, c'est souvent leur épouse qui s'occupe de l'administratif et qui n'ont pas le temps, voire même les compétences pour enregistrer l'artisan dans ce label RGE. Et donc, tout comme on a des super conseillers auprès des particuliers pour nous aider à monter nos dossiers France Rénov. Et là, je salue les employés d'Innoval qui, en tout cas, nous aident au niveau de la communauté de communes des Montagnes du Gifre dans le montage de nos dossiers qui, pour en faire l'expérience en ce moment, sont très, très pros et très disponibles. Voilà, peut-être développer aussi une assistance auprès des artisans pour qu'on ait plus d'artisans qui accède à ce RGE. Donc voilà, j'aurais aimé faire la proposition plus tôt, mais elle m'est venue que là, ces derniers jours. Sinon, je l'aurais rajouté aussi dans les propositions précédentes. Merci beaucoup. Un mot sur RGE. Nous, on a une double difficulté. Ce n'est pas compliqué. Et franchement, il y a beaucoup d'artisans qui pourraient le faire. Parce que du point de vue technique, ce n'est pas compliqué. Mais quand vous avez trop de travail, que vous faites déjà votre travail très bien et qu'on va vous expliquer des trucs basiques qui vous énervent, au bout d'un moment, moi, j'ai vu plein d'artisans qui sont plus que RGE dans leur manière de faire parce qu'ils ont l'habitude, ils utilisent les bonnes techniques, ils sont vraiment à la pointe, mais ils me disent « mais moi, je ne peux pas m'absenter 3 jours pour aller faire la formation, ce n'est pas possible. Et en plus, elle va me coûter. » Alors, donc, je crois qu'il faut qu'il y ait une formation qui valide. Mais il faudrait peut-être que cette formation, elle tienne compte aussi des acquis, du savoir-faire de l'artisan et qu'on aille sur l'essentiel qu'il doit apprendre de la nouvelle technologie, mais pas… voilà. Et le problème, c'est que moi, ils me disent tous, ils me disent « moi, j'ai envie de le faire, mais franchement, je n'ai pas le temps ». Et si on donne ma prime Rénov qu'à certains artisans, on passe à côté peut-être de très, très bons artisans. Donc, on note ça. Et voilà. Alors, Alban, et puis après, j'ai vu qu'il y avait une question aussi sur la copropriété qui m'a interpellé. Oui, bonsoir à tous. Vous m'entendez, j'espère. Oui. Juste une question. Donc, voilà. S'il y a des gens qui sont en salle d'attente, moi, je ne vois pas, vous surveillez. Donc, moi, j'avais une remarque par rapport à cette question des rénovations énergétiques. Après, l'inquiétude que j'ai et que j'ai par rapport à ça, c'est aussi, en fin de compte, le boom qu'on voit, enfin, qui continue sur les constructions de neuves, de résidences secondaires, et qui, elles, donc, vont satisfaire aux nouvelles normes énergétiques. Donc, et donc, le problème de l'artificialisation des sols, il y a eu notamment un article récemment là, dans le Dauphiné par rapport à ça, disant qu'en effet, il y a aussi une programmation d'ici 2050 d'arriver à un taux d'artificialisation à 0%. Donc, en effet, je pense que la rénovation énergétique va aussi sur l'encouragement de cette rénovation va peut-être aussi aller dans le sens de stop aux nouvelles constructions. L'argent devrait se mettre dans cette rénovation. Les promoteurs devraient investir aussi, pourquoi pas, dans la rénovation. Ça serait, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a, cette notion d'artificialisation est importante aussi à prendre en compte dans notre territoire. Voilà.
La loi qui a été votée et qui fait du bruit, hein, sur laquelle il va falloir revenir aussi peut-être un petit peu, ce qu'on appelle nous dans nos langages ZAN, zéro artificialisation nette, ça veut dire qu'à 2050, en fait, on arrête d'utiliser de nouvelles surfaces. Pour ceux qui le savent et qui ont essayé de regarder un peu l'urbanisme de façon globale dans nos montagnes, les PLU sont de plus en plus drastiques. Ça veut dire que les droits à construire, en fait, sont diminués, à la fois pour préserver la partie naturelle et la partie agriculture. Et donc, les emplacements à construire se réduisent mathématiquement. Le ZAN est une problématique parce que moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers une idée de zéro artificialisation des sols. Il faut qu'on arrête de construire, il faut qu'on laisse de l'espace. Mais on peut pas le faire partout pareil. Déjà, nous, c'est très, très contraint parce qu'on a nos montagnes, qu'on a beaucoup de zones à risque, qu'on a peu de droits à construire. Si en plus, on nous en enlève une grosse partie, je pense qu'il va falloir qu'on différencie quand même la montagne pour qu'on continue quand même à développer la montagne. Mais où vous avez complètement raison, c'est qu'aujourd'hui, on continue à construire et il faut que les maires s'emparent des outils qui leur sont mis à disposition parce qu'il faut qu'ils imposent dans toutes les constructions parce que, qu'ils ne soient pas que de la résidence secondaire. Et ça, franchement, ils ont l'outil, ça ne plaît pas aux promoteurs, mais il faut qu'ils imposent vraiment dans leur PLU des quotas. Et Chamonix est en train de le faire de façon très, très, très drastique parce qu'il veut le garder une vie à l'année. Moi, je pense que là, nous, on doit informer les maires. Il faut vraiment qu'on leur donne tous les outils. Mais il va falloir, sur chaque promotion, dire « maintenant, ça suffit, je veux au moins 50%. » Je dis ça, mais ça peut être d'autres chiffres. Hein. Je veux 50% sur une construction qui soit réservée à l'habitat permanent. Voilà. Ça va peut-être en décourager quelques-uns. Et arrêter construire complètement, ce n'est pas non plus logique. Mais c'est sûr que tous ceux qui ont leur maison et qui ont une habitation, ils sont d'accord pour que ça s'arrête de construire. Est-ce qu'il y a... Oui, vas-y, Jacques. Sur ce sujet, pourquoi la loi ne l'impose pas, ce quota, si tu veux? Pourquoi certaines villes ont un quota de 20% de logements sociaux sur la construction et puis d'autres villes ne l'ont pas? Ça, c'est lié à la, c'est pas lié à la taille des villes, c'est qui décide de ça? Alors, en fait, on a tellement des problématiques qui sont différentes. Il y a plein d'endroits en France où ils sont contents d'accueillir du monde, etc., et où il n'y a pas de problème de foncier. Donc, je pense que des règles nationales, c'est vraiment fini. Il faut vraiment, faire de la haute couture et avoir des règles qui sont précises par rapport à notre territoire. Non, je ne parlais pas de ça. Je parlais du quota de logements permanents ou de logements sociaux. Oui, eh ben, en fait, il y a un plancher. Par exemple, il y a des stations de Savoie où vous n'avez personne à l'année, mais vous n'avez personne qui a envie d'habiter à l'année. Donc, eux, pourquoi on leur mettrait un quota que de résidents je pense qu'il faut que ça soit vraiment les maires et les élus locaux qui disent ben, moi, j'ai envie de garder une vie à l'année. Une station de ski en très haute montagne en Savoie qui n'a pas envie du tout de garder d'habitants à l'année et qui veut se faire un truc très touristique que touristique parce qu'on n'a pas envie d'y vivre à l'année, ben, il ne faut pas qu'ils aient la même règle. Donc moi, je pense qu'à la main des maires, c'est pas mal. Mais ça pourrait se faire, si tu veux, au niveau d'une com-com ou au niveau d'une surface plus grande. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de lits touristiques dans une commune, bon, je pense qu'il pourrait y avoir des mécanismes de compensation, en fait, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais qu'on garantisse que dans les communes adjacentes, il y ait des logements à l'année. C'est pas réfléchi parce que pour l'instant, on réfléchit toujours à l'échelle de la commune, mais l'organisation de la vie, ce n'est pas à l'échelle d'une commune. Donc, il faut peut-être élargir ces règles au niveau d'une com-com ou au niveau de plusieurs com-com, dans le cadre des SROS, par exemple. En tout cas, pour revenir à quelque chose qui me tient à cœur sur la suppression de cet abattement,
Après avoir discuté vraiment avec l'ensemble des sociopros, etc., il faut qu'on arrive à faire une différenciation entre le premier logement et puis les suivants, ou le premier et le deuxième logement. Parce qu'on ne peut pas pénaliser aujourd'hui les gens qui ont investi dans un petit appartement, c'est une source de revenus, et ils ont 20% d'abattement complémentaire. Par contre, je pense qu'on est d'accord de sanctionner celui qui en a 5, 6, 7, 8, et qui, lui, pourrait en libérer un petit peu. Donc, voilà. Je pense que l'abattement, en tout cas, le gouvernement n'en veut pas de la suppression de cet abattement. Ils ont, pour l'instant, vu ce qu'on a entendu, ils aimeraient le garder. On verra ce que font les parlementaires. J'avais une question sur les copropriétés. Et là, vous avez raison, rénover les charges des copropriétés. Et j'espère que dans la loi logement qui va arriver en fin d'année, la PPL, on puisse vraiment changer les règles. Les règles sont tellement strictes en copropriété, je crois que c'est la règle des deux tiers. Tant que vous n'avez pas quasiment deux tiers des gens qui disent on rénove, en fait, la rénovation est impossible. Il faut qu'on arrive à changer ces règles-là. Et puis, vous avez aussi des gens qui habitent à l'année dans des copropriétés où vous avez une majorité de résidents secondaires. Et là, du coup, ceux qui sont à l'année n'ont même pas le droit aux aides parce qu'ils sont dans une copropriété qui ne sont pas en majorité résidence principale. Donc ça, c'est aussi des anomalies qu'il faut régler. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments ou d'autres... Benjamin, vous avez levé la main. Oui, merci. Moi, j'avais juste une remarque. Voilà, peut-être que je me trompe. Je crois que ça a déjà été proposé peut-être par... je ne sais pas si c'est un ministre qui avait proposé ça, par rapport aux diagnostiqueurs dans les DPE, en fait, parce qu'il s'est avéré qu'il y a eu plusieurs problèmes, il me semble, par rapport à la formation de ceux-ci. Comme quoi, il me semble qu'il y avait eu des enquêtes qui avaient été faites où vous appliez, par exemple, trois diagnostiqueurs différents et vous aviez trois diagnostics différents. Ce qui peut, en soi, poser un problème par rapport à la loi à venir. Et du coup, je suppose que ça sera fait, mais je me permets de le rappeler. Peut-être que pour les parlementaires, ça serait bien d'avoir une surveillance à ce niveau-là de la mise à jour de la formation de ces diagnostiqueurs et que ce soit bien mis en œuvre, en fait, au niveau national. Et en fait, vous avez raison parce qu'on s'est aperçu de choses assez incroyables. Un, donc, que les diagnostics ne donnaient pas le même résultat. Et si vous êtes entre E et F, ben, ça vous change vraiment la vie parce qu'il y a un côté où vous avez l'interdiction. Donc oui, pour revoir le référentiel et que ça soit vraiment carré. Et puis, il y a quand même des règles qui sont à changer parce que vous aviez des gens, les petites surfaces étaient pénalisées. Donc, si vous êtes une petite surface dans une copropriété au nord, vous risquez de ne pas pouvoir louer et la personne qui est à côté, qui a une plus grande surface, mais qui a un autre, qui est située différemment, elle pourrait louer. Donc, ça a été vraiment pris en compte et des gens retravaillent sur le référentiel. Et puis, pour qu'on puisse délivrer à tout le monde la bonne information. Et puis, j'espère aussi qu'on n'ira pas dans le travers de ces entreprises qui vous vendent un DPE beaucoup plus cher que ce que ça vaut. Voilà, moi, j'ai fait tester avec ma maman qui est dans le sud, dans le cadre de ma prime rénov, un audit à 90 euros qui vous donne vraiment ce qu'il faut faire pour rénover votre maison et pas avoir le vendeur de fenêtres qui va vous dire il faut faire ça en priorité. Benjamin, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Non, 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 mais merci pour votre réponse. Oui, je souscris à ce qui a été dit. Il y avait une remarque, Nora, sur le SCOT. Je ne sais pas si vous voulez la lire, la donner à tout le monde. Et puis merci pour Innoval, parce que nous, on les connaît bien. Ils sont super. Oui, bah, c'est un peu les SCOT. Alors, nous, sur Mont-Blanc-Arbe-Gifre, du coup, ça nous, on n'a toujours pas de SCOT. Donc, c'est encore une autre histoire. Alors, mais... je vous rassure, dans le pays du Mont-Blanc non plus. Hein. Oui, bah, on est dans le même. Oui, ah oui, je croyais que vous parliez de la roche. Non, pardon, oui. Oui, non, mais donc, voilà, comme notre SCOT est en train de... Il est censé... arrivés, ils ont commencé à réunir
les mairies, les élus, etc. Enfin bref, ça fait du coup un an que je suis un peu près ce qui se fait au niveau des SCOT, puis je regarde du coup ce qui s'est fait chez les voisins pour essayer de participer à la rédaction, en tout cas mobiliser les citoyens pour les phases de concertation qui auront lieu pour le SCOT Mont-Blanc-Arvegifre. Et donc, je vous coupe comme ça, tout le monde ne connaît pas forcément le SCOT. En fait, dans les documents d'urbanisme, vous avez du coup ce qu'on a appelé avant, on appelle ça maintenant le PLU, plan local d'urbanisme, ou le PLUI. Ça, c'est fait à l'échelle de la commune ou de la communauté de communes, et ça permet de délivrer ou pas les permis de construire, constructibles, non constructibles, avec toutes les règles de hauteur, de distance, etc. Et il y a un document qui est au-dessus, qui doit donner une harmonisation plus large d'organisation du territoire, aussi bien du point de vue à quel endroit on va faire un peu plus de construction en logement, à quel endroit on va faire des unités touristiques nouvelles, à quel endroit on va faire de la zone commerciale. Et ça doit être réfléchi au niveau juste au-dessus des PLU et des PLUI. Et pour nous, c'est les quatre communautés de communes qui correspondent à peu près à la circonscription, Vallée de Chamonix, Pays du Mont-Blanc, Cluses, Arves et Montagnes, et puis le Giffre avec les montagnes du Giffre. Donc ces quatre communautés de communes-là, elles doivent travailler pour réaliser ce SCOT. Et c'est Nicolas Évrard qui est maire de Servoz, qui est président de cette structure. Et là, on devrait avoir arrivé les diagnostics. Excusez-moi, Nora, allez-y. Non, non. Oui, non, merci. C'est important de reposer le contexte. La définition donc, de ces SCOT, qui veulent dire schéma de cohérence territoriale. Et donc, en discutant un peu avec d'autres, notamment avec d'autres administrateurs de France Nature Environnement, ils m'ont alerté sur le fait que, voilà, si je me souviens bien, c'était pour le SCOT autour du Pays Rochois, j'ai oublié son nom, et qu'en fait, dans les SCOT, il y avait des pourcentages d'artificialisation qui avaient été posés comme des seuils à ne pas dépasser, et qu'en fait, en quelques années, ces seuils ont été explosés. Ben, on connaît l'artificialisation exponentielle de la Haute-Savoie, et notamment qu'il y avait eu aussi certaines communes qui avaient beaucoup plus artificialisé que les autres, et qui, du coup, avec quelques projets, quelques OAP et autres projets immobiliers de quelques communes, tout le seuil qui avait été posé pour l'ensemble du SCOT était déjà atteint. Et puis, les autres communes disaient, on ne va pas s'arrêter de construire parce que les voisins ont trop construit. Et qu'en fait, il n'y avait personne, pas d'autorité pour veiller au respect des seuils des SCOT. Alors, normalement, ça arrive ici parce qu'on n'a pas de SCOT ou dans les endroits où il n'y a pas de SCOT, mais habituellement, c'est le SCOT va permettre d'indiquer ce qu'on va avoir le droit de faire les communes. Donc, les PLU, s'ils sont compatibles avec le SCOT, normalement, on n'est pas dans cette situation-là. Mais voilà, après, c'était beaucoup moins surveillé avant, donc je pense que maintenant, les PLU, quand il y a un SCOT, doivent respecter. Alors, Paul, et puis après, Jacques. Et vous pouvez, en fait, moi, je ne connais vraiment pas tout le monde. Vous pouvez des fois dire de l'endroit où vous êtes. Hein. Paul, on ne vous voit pas, mais vous avez la main levée. Ah, je crois qu'on a perdu Paul. Vas-y, Jacques. Oui, moi, c'est sur un autre sujet que je voulais intervenir. C'était sur le découplage du foncier et de l'immobilier. Donc, il y a un exemple à Salange qui est peut-être un exemple, qui est un contre-exemple. C'est l'aménagement de l'avenue de Saint-Martin a obéi un petit peu à ce principe, mais de manière un petit peu bâtarde, puisque la municipalité a en charge les parties communes et l'aménagement, et la charge d'aménager ces parties communes avec l'adduction d'eau, du gaz, etc. Et en fait, l'immobilier, malheureusement, est très cher, hein, puisqu'il y a des appartements à 4 000 euros le mètre carré. Donc, c'est quasiment un contre-exemple de ce qu'il faut faire, apparemment, parce que je crois que dans cet aménagement-là,
les propriétaires sont propriétaires du terrain de l'assise des bâtiments. Hein. C'est une zone d'aménagement concerté, je crois, hein, une ZAC. Si, corrige-moi, Xavier, si tu sais que c'est différent. Ben, disons que c'est la municipalité a payé acheté les terrains, a payé les frais de démolition et puis assume toutes les parties communes. Voilà. C'est pour faire baisser le prix, mais malheureusement, même avec ça, le prix du mètre carré est très élevé. Donc, j'espère que dans d'autres exemples, dans d'autres endroits, ce découplage est plus favorable aux gens qui achètent et aux gens qui louent. Donc la foncière, on en a une en Haute-Savoie. Vraiment, il faut que ça soit un outil qui soit connu par les maires, parce que quand vous avez une foncière, donc ça paraît étonnant, mais ça fonctionne bien. Vous n'êtes pas propriétaire du terrain, donc vous payez que la construction, donc normalement vous payez moins cher et vous payez entre 15 et 40%. Il ne faut pas en profiter, comme peut-être, moi je ne connais pas l'exemple que tu donnes, mais il ne faut pas en profiter pour que, comme c'est entre 15 et 40% moins cher, que les promoteurs ils les vendent plus cher au niveau du foncier, parce que sinon ça n'a plus d'intérêt. Le vrai avantage, c'est que c'est toujours de la résidence principale. Donc, je crois que c'est le vrai outil qu'il faut qu'on arrive à faciliter et à expliquer aux maires que ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Ce que j'avais compris, c'est que ces logements, il y avait une espèce de contrat qui oblige, enfin, qui limitait la spéculation, à savoir que la personne qui revend ou la personne qui loue ne peut le louer ou le vendre qu'à des gens qui ont. Alors, il y avait deux. Aujourd'hui, il y a deux mécanismes. Il y a un mécanisme où, pour avoir droit à un bail réel solidaire, si on est en zone tendue A ou B et C, ça dépend quand même un peu du revenu. Mais ça, ces revenus ont été augmentés pour que les gens puissent y accéder. Mais surtout, c'est qu'ils peuvent revendre. Par contre, ils revendront avec une plus-value qui est déjà connue, qui est l'indice INSEE de la construction. Alors, pareil, vous achetez un peu moins cher, mais vous avez des contraintes derrière. Vous ne pouvez pas faire de spéculation sur. Est-ce que c'est bien encadré, ça? Parce que à Chamonix, il y avait eu un exemple. Là, avait fait ça au Prat, pas au Prat, non. Nous, ce que, par exemple, toi, aux Ouches, il y a deux choses qui ont été faites quand j'étais élu et puis après quand j'ai été maire. Le premier, c'est que on avait mis à disposition le terrain gratuitement et donc ça avait diminué le prix d'achat et on avait fait de l'accession à la propriété. Et les gens s'engageaient à l'occuper pendant 15 ans en tant que résidence principale. S'ils leur vendaient, il fallait qu'ils leur vendent sans plus-value. Et sinon, il fallait qu'ils remboursent le coût du terrain qui avait été apporté par la mairie. Bon. Et on a vu comment ça a évolué, et c'est pour ça que ça ne marchait pas très, très bien. C'est que des fois, les gens faisaient des plus-values tellement fortes au bout de 4-5 ans qu'ils rendaient l'argent à la mairie, mais ils n'en avaient rien à faire parce qu'ils avaient fait une plus-value telle que de toute façon, ils respectaient les règles, mais ils payaient la plus-value. Et puis, on a eu quelques cas, malheureusement, de séparation et de divorce où les gens ont été obligés de vendre. Et là, du coup, on s'est organisé avec eux parce que c'était vraiment du cas par cas. Donc ça ne marche pas. Ce qui marche vraiment, c'est différencier le foncier et la construction. Il est 20h, donc on a fait une petite heure. J'ai encore une slide à vous passer s'il n'y a pas d'autres prises de parole. Merci beaucoup en tout cas pour ces éléments, même si on allait un petit peu vite au début. Et j'espère vraiment que cette PPL logement qui va arriver, on vous tiendra au courant, va permettre de corriger très rapidement ces petites choses sur les DPE et sur la location à la semaine. Et puis après, qu'à l'automne, on ait quelque chose d'un peu plus ambitieux parce que j'ai toujours le regret que ça aille doucement, mais c'est la vie politique. On peut repartager l'écran et je voudrais vous parler un peu de la suite.
Donc, dans les mois qui viennent, l'Assemblée nationale s'arrête toujours du coup en août, mais avant le mois d'août et après, et ça rattaque après en septembre, on a le projet de loi plein emploi qui va arriver. Donc, c'est toutes les mesures qui ne sont pas sur les retraites, sur l'employabilité des seniors et puis aussi sur les jeunes et comment on arrive au plein emploi. Le projet porté par Roland Lescure et Bruno Le Maire autour de l'industrie verte. En fait, c'est on a une industrie, on en est fier, mais comment on fait pour la décarboner? Et puis aussi la réindustrialisation. Donc ça, c'est très sensible sur toute la partie Vallée de l'Arve. La santé et le territoire, ça c'est la suite. Je pense que là, on a encore beaucoup de choses à dire. La fin de vie, où il y a eu le conseil... ça y est, j'ai perdu le nom. La Convention citoyenne. Voilà, Convention citoyenne qui a rendu quelques éléments, mais il y aura une discussion autour de ça. Je pense que là aussi, il faudra qu'on fasse intervenir des gens. Et moi, je vous proposerai en présentiel pour faire du débat contradictoire. Et puis, petite loi sur sécuriser et réguler l'espace numérique. Les arnaques se multiplient avec l'utilisation du numérique. Voilà. Et puis à l'automne, la loi logement attendue et puis projet aussi autour du travail. Bien sûr, s'il y a d'autres éléments, ça c'est l'actualité, mais s'il y a d'autres éléments qu'on avait vus ensemble, on pourra essayer d'en discuter. OK, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, ben, nous on vous remercie. Merci vraiment à Basile, Coraline et à Rose pour... le travail que vous avez effectué sur la vision de ce soir. Et puis, toujours à dispo. Et s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, vous nous écrivez, on vous répond. Allez, bonne journée, bonne soirée. Bonsoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci, bonsoir. Merci.